Oui. Donc, ça charge. C'est ça, temps de chargement, on est tous partis pisser, tout va très très bien. C'est donc, ça. Où est-ce qu'on s'en était arrêté, Maya? Est-ce que tu peux faire un résumé très rapide? Parce qu'on est quand même à la moitié de l'émission, je rappelle. Je me tais, par contre. Promis. Merci, mais tu te mets quand même ton désavantage. Donc, ce qui s'est passé, c'est que certains d'entre vous ont remarqué quelque chose au coin de la ruelle. J'ai le droit de l'entendre, ça? Ça va dépendre de tes camarades, s'ils vont te faire signe. Oui, on fait, enfin moi personnellement je fais signe à Bob, mais en étant discret, pas en criant « Hey, il y a un gars là-bas !» Non, je fais un petit signe. T'as vu le mec? Je sens une tape sur mon épaule, je me retourne, il n'y a personne, je baisse les yeux, il y a Grenade. Ce manque de respect. Moi, je te comme les enfants, tu sais, tout sont voilà. Je vais se faire tirer comme ça vers le bas. Mais non, quoi, non, mais avoue que dans un film, ce serait stylé que le gars il se retourne, putain, il cherche, puis il trouve. Ah oui, pardon, excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a? Eh hey, monsieur, il y a là-bas un truc qui. Moi, techniquement, je suis pas avec vous, moi, du coup, là. Ouais, t'es, en train de t'es en train de parler au commandant. Suis, avec une lame de rasoir. Je suis en train de motiver les troupes. Et Jésus mode... dit tuez-les tous. Beowulf. L'épée appelle envers l'épée. La croisade sainte massacrer les infidèles. Bon, voilà. Moi, je suis en... j'essaye de les hyper pour leur donner les bonus. C'est d'accord. Ça. Ils sont tous en train de faire le moonwalk et tout, ça se passe bien. Donc, qu'est-ce que. Est-ce que vous prévenez Théo, cela dit? Du coup. Je suis vers Chaïk. Non. Bon. Est-ce qu'il a besoin d'aller. Soyez sincères un peu. Il s'en est pas rendu compte lui. Non, mais moi je suis en train de motiver les soldats, de préparer un plan d'attaque, de leur expliquer le point vital d'un enfant, c'est là, juste en dessous. Utiliser des boucliers. Par contre, faut qu'on aille ça permet à bien de broyer des mâchoires. Qu'on aille à sa rencontre. Hein. Parce que s'il planifie une attaque ou autre, qu'on sache ce qu'il veut exactement. Ouais, qu'est-ce que vous faites par rapport à ce que vous avez remarqué, les amis? Et oui, tu m'as toujours pas dit de quoi il s'agissait, Grodnleck. Moi, j'attends comme un con, mais... Moi, je t'ai dit de regarder. Ah, on fait des gestes de l'armée, dans la ruelle, tu vois un gars en capuchonné et tu vois un petit bout de son visage et il a la peau bleue. Et je sais pas si t'as pu voir du coup son chute. J'avais pas vu. Et non, si c'est pas... tu vois juste le sa silhouette se dessiner, se tirer un peu... C'est des reflets bleus. Dans ce cas-là, je vais accompagner Grunleg dans son pas de côté et je vais quand même me préparer à balancer une bouboule ou quelque chose parce que. Pas charger la mana, hein, mais tu sais. Là, je fais signe à Chine aussi, on y va. Ouais, moi, j'y vais direct, le confronter directement, sans me cacher. Attends, mais en partant discrètement, histoire de pas alerter les gardes qu'il y a dans la salle avec moi. Oui. D'accord. Avoir quelqu'un avec qui on peut réellement discuter, peut-être, on va voir. C'est bien qu'on laisse Théo. La pluie commence à... Non, mais il est occupé avec les forces armées. Ça, c'est ça. Il est le bouclier de la foi. Il fait un travail important. Exactement, tout à fait. Essentiel. Je suis l'épée de la foi qui s'abat sur les infidèles. Ok, d'accord. C'est surtout le bouclier. Répétez après moi, la petite fille est en vie. La petite fille est en vie. Son esprit éternel a été sauvé par le bouclier. Son esprit éternel. Est dans un monde. Amen. Dans la nuque, elle a trouvé la paix. Donc vous êtes que deux à y aller, Grunlake et Chine, c'est ça? Et moi aussi, j'ai dit. Oui, viens avec nous. Oui. Ok, très bien. Donc. Et même d'ailleurs, je vais changer de posture et passer en posture défensive. Très bien. Et moi, focus. Moi, je vais pouvoir défendre. J'ai toujours le bouclier sorti et je suis toujours en défensif. Vérifiez bien. Je vais pouvoir défendre mes potes. Oui. Pour défendre mes potes si jamais ça sent la pisse. Un avantage, c'est ça. C'est bon? C'est quoi? Putain, le mec il vient. Je suis le père de la petite fille. Non. Boule de feu direct. Même pas tu réfléchis quoi. Est-ce que tu pourrais faire en sorte que les effets spéciaux soient incroyables, Maillard? Deux secondes, je mets du feu. Non. Et faire pivoter. Et faire pivoter Chine. Non. Non, et faire pivoter Chine de 180 degrés sur son axe Y. Mais j'avance en moonwalk comme ça. C'est pas le bon bras. Ça compte. C'est un vieux dessin. Voilà ce qu'on dit. Non, mais il peut l'inverser. À la fustinière. Parfait. Oh, mais du coup, t'es dans le mauvais. Fine, fais du moonwalk. C'est mieux là?
On monte tous dans l'unité GRUNL3. Non, ça c'est level 4. C'est level 4. Arrête de spoiler, Maya. Voilà, on est bien. On est bien, on est bien. Donc, vous vous retrouvez en présence de cet homme. Holy fucking shit. C'est Jésus. Toi aussi, bon, logiquement, il était discret, encapuchonné. Bon, là, il a un cerf. Là, il est pimp, il est en train de faire un truc dans la main. C'est pas pareil. C'est pas un bouclier, c'est un glyphe magique. Mmh. Exactement. Ouais. Discret, quoi. Aventurier. Je me présente à vous. Je suis le mage d'Oruine. Mage de l'eau. Mon maître et seigneur, Neptune, vous invite à sa rencontre. Il se trouve que... Il se trouve qu'il accepte cette défaite relative quant à l'assassinat de Sir Delenor. Et c'est dans la perspective de trouver une solution à la fuite des habitants de Lysandre qu'il aimerait organiser cette rencontre. Est-ce que tout le monde le comprend ou je dois faire la traduction aussi? Question basique, hein, question... Non, il parle très bien. Il a un petit accent. Un petit accent, mais il est très... Quand est-ce que vous souhaitez nous rencontrer? Sans plus tarder, avant l'aube, car à l'aube, tout sera balayé. À quel endroit? C'était pour ça que je demandais. Nous pouvons envisager un endroit intermédiaire entre les dents du ciel et ici même. Ça me paraît juste. Nous avons un quatrième compagnon avec nous, le paladin. Peut-il nous accompagner? Je l'ai entendu parler tout à l'heure. Je ne suis pas sûr qu'il soit capable de se retenir. Ah, il est comme ça, mais on s'habitue avec le temps. Je me sens mal de l'abandonner derrière, cependant. Est-ce que vous êtes venu de votre propre chef ou c'est une autorité supérieure qui vous a commandité Non, il a dit que c'est son chef. Il veut organiser une rencontre. Ce sont les ordres. Et vous voulez parlementer avec nous Absolument. D'accord. Est-ce qu'il est possible de trouver une solution qui permette d'éviter le conflit, des morts, que ce soit de votre côté ou de notre côté, d'ici l'aube? Il est possible qu'il y ait des morts de notre côté, à vrai dire, maître nain. Mais ceci, nous sommes prêts à l'accepter. En même temps que partir dans la mort et le néant, en apportant autant de vie que possible. Ne répondez pas réellement à la question. Est-ce qu'il est possible de trouver une solution qui empêche justement que vous vous emportiez énormément de vie humaine? Seul Neptune le décide. Powo. Enfin, Powo, je vais... Je connais ce morceau, voilà. Le vrai sens de Powo, normalement, c'est quand tu sais, c'est comme le 15 de France, tu te réunis et tu commences à discuter quand c'est de la stratégie. C'est pour ça, je vous chope tous les deux et je vous fais un point strat. Devant le mec, et on chuchote en mode... C'est un demi élémentaire d'eau. De temps en temps, t'as une tête qui sort, qui le regarde comme ça. Bon, allez, du coup, discutez. Merci. Du coup, petite question juste avant sur tes capacités, Bob. T'as la connexion mentale. Est-ce que c'est quelque chose de gratuit quand t'es en focus ou pas? Ah oui, non, c'est pas gratuit. Et surtout, on peut se rassembler en discuter entre nous à voix basse. Et surtout que c'est un mage de l'eau. Oui. Alors certes, il est de l'élément opposé, mais s'il détecte que j'ouvre un sortilège en face de vous et qu'il comprend à quoi il sert, c'est un peu insultant pour lui aussi. Mais ça aurait été intéressant d'avoir un petit signe qui permette de savoir quand on dit là, il faudrait que tu fasses une connexion mentale. Là, c'est pas forcément utile, hein, mais je veux dire, ça pourrait être bien pour la suite qu'on ait ce petit signe. Eh ben, le signe, ce sera de lever ton poing. Non, ça peut m'arriver souvent. C'est ça. Camarade Bob. Tu rigoles, mais si tu mets quelque chose à ma hauteur de yeux, je vais forcément le remarquer. Bon, on peut revenir. Qu'est-ce que vous faites? Très honnêtement, je serais d'accord. À quelle distance je peux maintenir cette connexion, Maya? À distance, on va dire une centaine de mètres, quelque chose comme ça. D'accord. Donc tu pourrais même avoir Théo. Non, insuffisant. Parce qu'il serait en embuscade et il se ferait sans doute remarquer par les autres et les autres le prendraient comme un acte d'agression. Tu veux pas une rencontre diplomatique, même si c'est un piège, en ayant des intentions... Non, là, je parlais maintenant tout de suite. Tu pourrais avoir Théo, même s'il n'est pas à côté de nous, je voulais dire.
Oh, moi, je suis en train de préparer. Je sors la musique de Kingdom of Heaven. Là. Est-ce que la croisade. Vous êtes tous chevaliers avec moi. Plutôt que de claquer des points de mana, je préfère qu'on fasse l'aller-retour et qu'on en discute avec lui, qu'on le ramène s'il veut. Mais l'autre n'a pas l'air très chaud à ce qu'on l'amène aussi, Théo. Donc, pute de c'est ma vrai. Part, mais est-ce qu'on le laisse pas en arrière? Et non, parce qu'il va organiser une offensive alors que nous, on est en train de parler du traité de paix. Par contre, on peut le laisser en arrière, mais en le prévenant. En lui disant, organise ce plan de secours pendant que nous, on va faire le ça. Détachement. Je peux pas lui, on peut pas lui faire confiance. Il va pas organiser le plan de secours, il va organiser un plan d'attaque. Oui, non, mais c'est ça. C'est pas lui faire ça. C'est ce qui est prévu depuis le début, c'est un plan d'attaque. Oui, clairement. Après, tout dépend. Si moi, je veux bien rester là et organiser le plan d'attaque, mais en métagame, si vous finissez la partie sans moi. Oui, c'est vrai. Non, ouais, c'est vrai. Pour ça. Oui, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vois mal une issue positive à cette conversation parce que voilà, il est vraiment enclin à foutre la merde, à lancer la destruction. Enfin voilà, il veut des morts. Au contraire, parce qu'après, si vous revenez au village après, si c'est juste une simple discussion et que vous revenez juste après, allez-y sans moi au pire. Mais comme ça, au moins, moi, pendant ce temps-là, c'est pas genre, ben, on est revenu et il voulait pas, mais du coup, on n'a pas de plan. Enfin, tu vois, c'est au moins, pendant ce temps-là, même si vous revenez et que ça n'a pas marché, ben. Ben vous laissez le boulot au militaire après. Et ben dans ce cas-là, on va te donner. Du coup, qu'est-ce qu'on fait alors? Je vais finir la conversation avec ce mec. En ce qui concerne Sir Delenor, ils l'ont pris et ils le mettent un peu à l'abri, quoi. Parce qu'il doit récupérer de ses blessures. Est-ce que je peux m'adresser une dernière fois au mage, du coup? Ouais, vas-y. Très bien. Vous comprenez que nous acceptons de vous suivre et de communiquer avec vous pour tenter une solution diplomatique à ce conflit. Cependant, je vais quand même prévenir mon compagnon de notre départ. Et si jamais il ne nous revoit pas d'ici la fin de la nuit tombée, vous savez tout aussi bien que moi ce que ça veut dire, pour les deux côtés. Très bien, j'accepte ce choix. Bien que je ne le comprenne pas tout à fait, vous ne vous rendez pas compte là. Le danger auquel vous êtes exposé. J'aimerais vous prévenir. Attendez, vous n'êtes pas mortel. Ah, moi ? Et vous ? C'est un piège, je réponds pas. Et vous-même, vous êtes mage, à ce que je vois. Ah oui, je suis demi-élémentaire. Et vous ? Vous êtes mage et ? Moi, je suis demi-élémentaire. Et ensemble, nous sommes Jesse, James. Désolé. Je suis Miaou, c'est ça? Oui. C'est le plus intelligent des trois, tant mieux. Ah ben. Et moi, je suis mage humain. Et je ne suis pas différent de vous. Je suis juste l'opposé. Je vais maintenant prévenir mon compagnon. Et je me tire, parce que je vais pas lancer la conversation avec ce mage de la flotte. Gna gna gna, je t'en foutrais, moi. Très bien. Donc, très bien. Ouais, mais vous êtes sûr que vous voulez. Franchement, je suis. Pourtant, c'était moi qui voulais négocier et participer à ce truc, mais là, ça pue. Oh là là, mais agissez, ça va tellement plus vite quand je suis alors, là. Entre parenthèses, il y a tellement plus de morts. Maillard, est-ce qu'on peut dire que je suis allé voir Théo et que je l'ai prévenu que. Théo, si dans 3 heures on n'est pas revenu, tu butes tout le monde. Fais-moi honneur. D'accord, si dans une heure t'es pas revenu, je bute tout le monde. Non, trois. On est obligé de le suivre, on peut pas le garder en otage, le mage. Pardon. Merde, c'est Théo qui me parle dans ma tête. Attends, sans déconner, je suis un mage de level 3, t'as vu le bordel que je peux mettre à moi tout seul? Le mec, il est au moins level 5 et c'est un mage de la flotte. Non merci, je me suis déjà pris un tsunami dans la gueule aujourd'hui, pas deux. Allez, ça va aller 5 minutes. Alors? Quel est votre choix? Quel est votre choix, les amis? Dites-moi, le temps. Parce que du coup, je peux revenir d'avoir prévenu Théo et on peut tous y aller dans son champ pour faire les palabres. Oui, sauf si Grenec. Il y avait Chine qui n'était pas très chaud. Moi, je suis totalement pour parce que c'est la seule porte de sortie qu'on pourrait avoir. Tu l'as entendu, avoir, le gonze, il n'est pas ouvert à serrer des mains, oui, mais à faire la paix. Il est peut-être pas ouvert à serrer des mains. Mais il est venu nous tendre la main. Si on refuse de la main tendue, dans ce cas-là, on est dans une politique d'extermination et même moi, ça me déplaît. Je veux quand même essayer de faire quelque chose, voir ce qu'il propose. De toute façon, si on ne revient pas, on sera un maigre sacrifice comparé à leur massacre génocidaire et absolu qui aura lieu ensuite. Très bien. Ils vont le faire. Ou alors, ils veulent nous éloigner de la véritable action qui va être à cet endroit-là. Nous, on se barre et ils vont raser toute la ville. Théo va mourir encore une fois. Non, dans ce cas-là, il faut faire confiance à Théo. Il a prouvé que face à l'adversité, il pouvait toujours tuer des innocents.
C'est ça. Moi, pendant ce temps-là. Tuer ou être tué. Parce que, juste parce que j'ai pas parlé depuis un moment, je voulais juste te dire, est-ce que je peux prendre la direction de l'attaque, demander au capitaine s'il est d'accord pour que je prenne la direction de l'attaque. Je te fais pas faire de test, tu as prouvé ta valeur, donc il n'y a pas de problème. 3 heures. D'accord. 3 heures. Tu as oui, 3 heures. À la végétin. Je veux vraiment que tout le monde soit prêt. Je ramasse aussi tous les civils qui ont entre 16 et 40 ans et qui peuvent servir. Ça, par aussi. Contre, non. Il veut bien te prêter quelques. Il veut pour bien pour te prêter quelques soldats, mais les civils. Non. Le mec, il commence à parler en allemand. Il a la guerre totale. Guerre totale. Non. Armer les chevaux. Non. Et il te met des piques sur les charrettes. On évacue les femmes, les vieillards et les enfants, mais tous les garçons qui peuvent tenir une arme. Il te le redit. Non. Jeunesse la politique du gouffre de Helm, quoi. Ouais, c'est la ça. Politique du gouffre de Helm. Alors, très bien. Sinon, Shaedan, on lui a pas posé. Enfin, elle était censée être avec nous. Si, mais on en a plus besoin. On a plus besoin. Les informations qu'elle voulait nous donner vont sans doute nous être données par Sgugus ou son patron. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Ouais, absolument. Et puis elle était censée être elle avec peut être la représentante du village aussi pendant le conseil. Enfin, parce elle a un PV, faut lui la paix. Je veux pécho. mais t'as déjà pécho. Déjà pécho, je suis sûr Maillard fera une mention de ça à la fin. Parce que je rappelle, Maillard, à chaque aventure alternative. Il y a l'épilogue. Ouais. Seb doit pécho, toujours. Il a pécho 4 fois d'affilée quand même. Je peux pas briser le combo. Donc, quoi qu'il en soit, on peut pas partir sans avoir quand même parlé à Shaedan vite fait. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites avec Shaedan? Non, c'était pas. J'ai mal formulé ma question. Oui, ça m'a bloqué. J'ai mal formulé. Donc, vous retournez. C'est bien ça, voilà. Vous retournez dans le cœur de la ville. Sir Delenor n'est plus là. Les hommes s'organisent. Je retire tous les glyphes de la mort qui sont au sol. Et je vais choisir de rester avec l'émissaire pour pas le laisser seul. D'accord. Parce que tu sais, tu laisses pas un émissaire ennemi. Vous allez faire pas du chit-chat de mage. Alors, tu utilises quoi comme bâton? Bah, moi, c'est de la marque Decathlon, mais ça marche bien. Alors. Ah non, arrête, en plus il me dégoûte quoi, c'est le mec quoi, ces sortilèges c'est des glavios, merci. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir, donc Shaedan, qu'est-ce que vous dites? Elle est réveillée, elle est revenue à elle. Et donc, qui lui parle? Vous allez mieux? Je suis assez mal en point, j'avoue. Ça fait 3 heures déjà ou pas? Ça fait 30 secondes. Mais c'était où? À la boubou devant l'espèce de sablier géant. Les grains de sable et tout, tu sais. Oh, putain. Il y a donc Shaedan qui dit j'avoue que je me suis rarement senti aussi mal. Pourtant, j'ai été entraîné au combat. Je n'ai jamais été entraîné à me prendre une telle masse. Mais je vous dois la vie, maître nain. Et à cet homme là-bas, en bleu. Il est beau. C'est à ce moment-là où tu grimpes sur un toit et tu te mets face au vent. Ouais, comme ça. En mode opening d'animé, t'es Watashi no. Je pense que vous avez quelques explications à nous fournir. Vous avez crié que nous avions une sorte d'immunité. Comment est-ce que vous êtes au courant de ça? J'ai rencontré un mage de l'eau qui donnait les derniers sacrements à ma sœur que j'ai retrouvée. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Il m'a expliqué qu'il nous avait repérés, qu'il avait compris quasiment tout de suite l'affiliation de Shin aux demi-élémentaires et qu'il lui laisserait la vie sauve quand cette région serait balayé, et en même temps, il laisserait la vie sauve à tous les aventuriers, ses amis aventuriers, par principe, par honneur, même s'il y a un gars en jaune là-bas qui entraîne toute une armée. Est-ce qu'il vous a donné d'autres détails? Est-ce que n'importe quoi qui pourrait nous être utile sur ce qu'il portait, sur ce qu'il utilisait, sur... Sur ce qu'il portait qui? Neptune ou... La personne qu'elle a rencontrée. Elle te décrit exactement celui que vous avez rencontré dans la ruelle.
D'accord. Les mages de l'eau, ça court pas la rue. Mais du coup, elle a sauvé sa sœur alors. On peut pas savoir. Enfin, il a sauvé sa sœur. Non, il a donné les derniers sacrements. Donc, sacrements. Donc il a donné les derniers sacrements à une humaine. Exact. C'est intéressant. Oui. C'est intéressant. Donc il y a quand même une certaine forme de respect. Absolument. Donc tu vois, Shin, toi qui étais un petit peu dans le doute, peut-être qu'il y a quelque chose à ressortir ouais, de tout ouais, ça. Effectivement. Il y a un chat qui s'est infiltré. Ah, mais c'est le chat qu'on a sauvé, non? Il oui. est là. Alors que c'était c'est où qu'il voulait, que qui s'en Fred foutait voulait laisser mourir des chats dans le live. Il est où? Attends, vous êtes où? Sur quel? Alors, le. Qu'est-ce que tu as un truc à ajouter ou pas? Shin. Je fais chier. Normalement, tu peux contrôler le token de Wilfried, Bob. Ah oui, il était pas censé rester sur mon épaule pendant toute l'opération, lui. Bah, disons qu'à force de mouvement, non. Bah, je vais le laisser avec Théo, du coup. Pourquoi non, il connaît le kung-fu maintenant. Ils sont entretenus tous les deux. Il va rejoindre l'armée pour éradiquer ces satanés de défis élémentaires. Je vais récupérer mon chaton, il va me miauler dessus en nazi, tu sais. Mash loud. Et pourquoi ce mage de l'eau vous a laissé repartir? Il me dit umlaut. Ma sœur et certains apothicaires de la région apparemment échangé des techniques médicales avec les demi-élémentaires, bien que les demi-élémentaires n'aient pas apprécié apparemment les menaces de Lysandre. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ce conflit entre nos deux races, enfin les deux races? J'ai qu'une envie, c'est d'aider un maximum de personnes qui sont incapables. Il y a Bob qui bouge le chat. Le chat est dissident, il fait bien ce qu'il veut. Attends, pendant ce temps-là, pendant que je fais le replay, il y a le chien qui te court après. J'allais le faire ronronner vers Shaedan, j'allais rester cohérent, mais vas-y, continue. Ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais le faire. C'est vous aider, Maître Nain, à faire partir un maximum de personnes. Je pense que les gens ne sont pas conscients de ce qui se joue et qu'il risque d'arriver grand malheur. Eh bien, je pense que c'est quelque chose que vous devriez faire dès que vous vous sentez assez fort pour le faire. Nous avons quelques occupations à vaquer, nous viendrons vous aider dès que c'est possible. D'accord. À moins que tu aies quelque chose à dire encore, Shin, on va peut-être rejoindre Bob. Ouais, non, c'est juste, comment, il y a du temps qui s'est écoulé parce qu'on cherchait sa sœur avec elle et puis d'un coup elle a eu des nouvelles. C'est vrai, il y a combien de temps qui s'est écoulé? Elle a croisé le mage entre temps et... Non, pas depuis, là depuis la conversation il n'y a pas 10 minutes, hein, donc tu nous arnaques pas Théo. Non, je pense que Shin veut demander depuis le temps qu'elle recherchait sa sœur. Oui, parce qu'on l'a recherchée avec elle, enfin, je veux dire, on a rejoint le village avec elle et enfin... Donc elle a croisé le mage en douce, je veux dire, est-ce qu'il est habitué à venir un mage demi-élémentaire d'eau se promener dans ce village humain? C'est une peuplade détestée apparemment, donc comment, enfin... Bah, le mage, c'est un érudit, donc il va avoir tendance à échanger davantage avec les personnes. Mmh. C'est un érudit, donc il est ouvert. Enfin, tout ça pour savoir s'il y a d'autres demi-élémentaires qui tendent la main, enfin qui essayent de faire l'effort d'aller non, vers les humains. C'est un des rares, c'est d'ailleurs... il a déjà été D'accord. remarqué peut-être à droite à gauche, mais tout en se tenant à distance. D'accord, c'est pour voir s'il y avait une... Non, mais... Il faut qu'on y aille, on n'aura pas plus d'informations tant qu'on n'y sera pas allé. Mais on a quand même appris deux choses intéressantes. On a appris que, un, il a donné les derniers sacrements, donc il y avait une certaine forme de respect envers les humains. Et deux, on a appris que des citoyens les apothicaires de la région échangeaient avec les demi-élémentaires, donc il y avait des relations pacifiques. Donc voilà, deux choses quand même importantes. Ce ne sont pas tous des gens qui détestent les humains. Mais ça reste minoritaire quand même. Oui, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ne détestent pas les humains dans le groupe. Des gens. Alors. Et donc. Qu'est-ce donc ce wa-wa-wa? Laissez ce chien tranquille, il fait sa vie. Un chien anglais, alors. Apparemment. Voilà, c'est mis en route. Très bien. Allons-y. Vous allez en route à... Hop. Je vais changer de map, prépare-toi. Je tiens à préciser que je veux me tenir en dernier dans la... Comment ça s'appelle ? File indienne. Moi, je voudrais être devant. Comme ça, dans le doute, s'ils veulent être... Moi, je voudrais être au milieu, parce que je suis conciliant. Et collabo. Je dirais au contraire que tu tiennes devant.
Le fait que tu aies un demi-élémentaire allié avec toi, derrière toi, déjà, c'est la logique de l'horizon. Et ensuite, ça permet de voir que tu es là en tant qu'ambassadeur, tu n'es pas forcément humain. Ouais. Et que derrière, tu as un demi-élémentaire. En file indienne, on peut marcher à côté les uns des autres aussi. Oui, c'est sûr. Moi, c'était pour le faire. Dans tous les cas, je veux me tenir plus loin pour la bonne simple raison que si le mage de l'eau, qui n'est pas forcément un demi-élémentaire, mais qui est déjà un... Enfin, si, qui est un demi-élémentaire, mais commence déjà à lever un sourcil quand il voit ma tronche, je ne veux pas imaginer ce que le King Kong grand schtroumpf de la flotte Avatar va imaginer quand il va voir ma gueule. Donc, je vais la boucler et me tenir loin derrière. Vous y allez que dans 4-3 avec le mage, c'est ça? C'est ça. Est-ce que sur la route, je peux ouvrir une connexion mentale avec mes alliés? Non, c'est loin quand même. Ah, d'accord. C'est même méga loin. D'accord, bah tant pis, alors oublie. Non, mais tu parles connexion mentale avec qui? Avec Chine juste et moi juste avec vous deux, oui. Mais j'ai cru que tu parlais avec... Non. Je veux qu'on puisse être constamment être en possibilité de discuter tout ce qui se raconte dans cette conversation sans pour autant faire « Hey, t'as entendu ce qu'il a dit ?»« Ouais, on va bien lui péter la bouche. » Quoi? Par contre, Maillard, je suis resté en défensif. Enfin, j'ai remis mes points de vie, tout ça. Je suis resté en défensif, j'ai toujours le bouclier de sortie. Je l'ai pas rentré, etc. Et vos PV et tout ce qui va avec. D'accord. J'ai regagné un point de psy. Le petit désavantage. Merci, Grunleck, de m'avoir rappelé ça. C'est important. C'est très important de compter sur ses alliés. Est-ce que je... J'ai un désavantage. Hein. Est-ce que je tente mon jet de sort J'ai cru que tu parlais de Suède de Chine. La connexion. J'ai pas des avantages, moi. Je suis juste aux portes de la mort. Nuance. Est-ce que je tente mon jet de sort pour la connexion? Ouais, vas-y. Très bien. Sur je sais pas combien, 75, la 100, 180. Le démon, tout ce que tu veux. 85. C'est très très juste, hein, je pense. Ça passera pas, je pense. Non. Je pense que ça passera pas. Non, tout à fait. Tant pis, ça marche pas, tant pis, je perds 2 points et puis basta. T'es trompé dans le numéro. Vous me faites... Des DDoS. Vous me faites, s'il vous plaît, un test de perception. Mon échec ne se reporte pas parce que j'ai essayé de lancer 10. Le ah, c'est dommage, 0-1, c'était vachement mieux. Moi, j'ai surtout cru que c'était un 100. Mais 10, c'est bien quand même. 43. Moi, j'étais occupé de lancer le sort et je l'ai échoué. Je peux pas remarquer les choses autour. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette musique? Qu'est-ce qui se passe? On arrive à côté d'un festoche de métal. Mal, hein. On va au Hellfest, ouais. Putain, t'imagines en face, les élémentaires d'eau, c'est des power métalleux. Ils arrivent avec les gilets. Mais là, je suis désolé, je vous trahis, mais sans perdre une seconde. Ouais, j'arrive, le mec. Moi, le premier. Moi, le premier, je suis là, mais vous avez besoin de gens pour faire les effets pyrotechniques, parce que... Ouais, donnez-moi du cuir et je suis à vous. Hein. Moi, je l'ai fait, les power slides sur les genoux, hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Donc, vous avancez. Je peux faire exploser les chevaux en feu, moi. Ça fait... Vous avez quitté la ville, vous avez parcouru à peu près pendant... Bah, bravo, ouais. Grunleck et Bob. Franchement, mais... Bob et Grunleck, bravo. Je l'ai jeté par doute, mais je sais pas si ça compte, parce que j'étais occupé à lancer le sort et je l'ai échoué. Donc, est-ce que j'ai remarqué quoi que ce soit? Oui, tu l'as remarqué. C'est deux tests complètement différents, donc il n'y a pas de problème. Tu remarques quelque chose. Donc, tu vas remarquer Bob, toi aussi Grunleck, peut-être une fraction de seconde avant Chine, ce qui va se produire. Alors que vous avancez, ça fait quoi? Depuis une demi-heure que vous progressez en dehors de la ville, demi-heure, trois quarts d'heure, et il fait nuit noire. Vous vous dirigez avec quelle lumière d'ailleurs, au passage? Ma torche, j'ai un bâton, le bout il est en feu. D'accord. Vous remarquez du mouvement par là? Par ici. Mmh. Très bien. Du coup, je regarde le mage, le demi-élémentaire. Est-ce qu'il a regardé dans cette direction? Non. Oh, est-ce qu'ils auraient du feu grégeois dans la ville? Ah ah. En petite quantité, probablement, Théo. Ah, ça, on va l'embarquer. Le mage de l'eau ne l'a pas remarqué. Question, le Nabo, il voit pas mieux dans le nuit? Enfin, tu vois pas plus... Si, oui, c'est vrai. Mais il a une portée limitée. Oui, c'est vrai. Il a le radar solitaire. Ça sert à rien, quoi. Il y a du mouvement ici dans les fours. Et qu'est-ce que vous faites? Qui fait quoi? Comment? Dans quelle position? Ben, je regarde les autres, je leur fais signe pour voir s'ils ont vu. Et apparemment, ils ont vu. Et je lui chuchote, j'ai vu. Ah moi non, moi pour le coup je suis en train de parler avec le mage. Mais t'as vu si? Bah je sais pas, non, il fallait pas réussir la perception ou pas? Non mais tu l'as réussi 43. Oui, tu l'as réussi. Ah oui, oui, ah oui, bah ça passe. Tu l'as juste remarqué plus tard, genre une fraction de seconde derrière. Tellement habitué à faire des jeux foireux. Ouais, c'est pour ça, psychologiquement je dis bon alors j'ai loupé,
On fait quoi? Alors, qui agit? Comment? Qui fait quoi? Dites-moi. Rien, on continue à avancer avec le mage d'eau de la manière la plus pacifique possible. Afin ouais, on garde les yeux rivés sur le buisson, mais je veux dire, on va pas agir comme un garde de métier à faire quoi le mage. Qu'est-ce qu'il y a? Je choisis de passer en posture défensive, si ça compte. D'accord, tu te sens... Moi, je reste la infravision. Tu te sens dans un état de liesse. Tu te sens un peu joyeux. Tu saurais pas trop expliquer pourquoi. Tu t'es remis à boire, c'est ça. Non, on va quand même prévenir le gars qui est avec nous, je pense. Hein. Il y a du mouvement. Non, attends, je suis quand même pas con. Si je me sens dans un état de liesse pour une raison absolument X ou Y, c'est qu'il y a soit un effet magique, soit un effet chimique dans l'air. Est-ce que je peux tenter un jet de perception avant de succomber à l'hilarité? Fais-moi un test, s'il te plaît, d'érudition. Merci. Magique, pas chimique. Attends. Mental plus érudition, t'es à 90 plus. Ça, 23. Les autres, enlevez vos casques, s'il vous plaît. Messieurs. C'est bon. Je suis pas là, de toute façon. Surtout que je tirais la gueule, j'étais tendu, le mec de mage de la flotte, il m'inspire pas confiance. Soudainement, je vais pas me dire cotillon, ça marche pas. Bob, ce que tu ressens au fond de toi, ce n'est pas tant de la liesse naturelle, c'est ta part démoniaque qui est très heureuse de se sentir en très bonne compagnie. Oh. À cause des fourrés ou à cause du mage? À cause des fourrés. Est-ce que je peux chuchoter cette information à Grönleck? Oui, éventuellement. Grönleck, mets ton casque. Juste Grönleck. Très bien. Mais c'est ma soirée, dis donc. C'est pour c'est le grand compte, c'est ça. On parle entre eux. Très bien. Non, c'est juste que... Ouais, bon. Vas-y. Il était en train d'avoir une conversation avec le mage, donc je peux pas lui chuchoter un truc sans que ce soit suspect. Mais du coup, avec Grönleck... La partie démoniaque en moi a une érection. C'est à cause des fourrés là-bas, donc je sais pas ce qui s'y passe, mais... je vais me tenir un peu plus en arrière, hein. Voilà. Et je vais... Est-ce que tu penses qu'il faut prévenir... Je désigne du regard le mage d'eau. Je sais pas, il pourrait être dans le coup. Pendant c'est pas lui, discuter, c'est une bonne chose. Je vais gérer la partie avec Théo, d'accord? Ah. Mais dès que tu pourras, préviens Shin. Avec le mage qui se retourne, qu'est-ce qui se passe? Rien. Non, rien, tu sais, qui pointe du doigt le ciel comme ça. C'est ça, c'est ça. Il fait beau, hein. Il fait nuit, j'avais pas remarqué. Tu peux remettre le cax ou pas? Ça fait combien de temps qu'ils sont partis? On met le cax. 32 minutes. Tu le... Le mec, il compte les grains de sable. Ils sont partis depuis à peu près une demi-heure. Je vais te demander, s'il te plaît, un test. Fais-moi un lancement des 100. Je te dis pas pourquoi, mais lance-moi un des 100. Moi ? Oui. Soixante-quatre. Alors, hop, je vois ta fiche, 2 secondes. T'es succès ou pas ? Bien. Ouais. je vais vous demander aux vous autres de retirer vos casques, s'il vous plaît. Retire le casque. C'est bon. C'est bon. Théo, tu remarques un truc assez étrange. La maison où ils ont emmené Sir Delenor, il y a pas mal de lumière et il y a le médecin qui allait soigner Sir Delenor. Tu l'as vu rentrer et tu l'as vu sortir et subrepticement au dernier moment, au moment où tu vois la porte qui s'ouvre pendant une fraction de seconde lorsque tu avais la vue sur l'endroit où était Sir Delenor. Delenor n'est plus là du tout. T'as commencé, il est rentré dans la maison, puis ensuite... Il est rentré dans la maison, là où il devait être soigné parce qu'il est dans un état critique. Un médecin est rentré, vraisemblablement il aurait fait son travail, et au moment où il sort, le médecin, eh bien, il n'y a plus Sir Delenor. Mais tu l'as remarqué in extremis, hein. N'importe qui ne l'aurait pas remarqué. D'accord, je vais rentrer dans la maison. Il y a un garde devant. Donc, hop, c'est ici. C'est là. Ok, d'accord. Je me mets là, ok, je rentre. Ah, il te bloque l'accès. Non, qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi rentrer ou je vous fous en première ligne au moment de l'attaque?
J'ai reçu les ordres, vous ne passez pas. Genre les ordres de quoi du tout, c'est moi qui... pousse-toi, sors de là. Non, non. Bah, j'ai besoin... Je dis au capitaine, je suis en train d'organiser l'attaque, j'ai besoin de rentrer ici, votre garde. Sire d'Elenor se repose. Non, il se repose pas. C'est urgent, j'ai quelque chose à lui dire. Non, il se repose. Oh là là, tu vas m'en empêcher, tu vas me tuer si j'essaye de rentrer. Je fais mon travail, chevalier. Bah, je faites le vôtre, obéissez. Non, mais j'oublie rien du tout, c'est moi qui organise l'attaque, alors il va se pousser. Vas-y, fais-moi ton test, s'il te plaît. De physique. D'ailleurs, je pense que je vais même utiliser Damoclès sur lui. Ah, quoique non, ça pompe de la mana, Damoclès. Ça pompe combien, d'ailleurs ? Damoclès, je vais te dire exactement combien ça pompe. 2. De manière... D'accord. D'ailleurs, tu as récupéré un point de psy. Ok. Je... Ah, oui, un point de psy. Attends. 66. Je me remets mon point de psy. Non, mais 66, c'est raté, mais j'essaie de le pousser, mais bon, voilà. Enfin, je veux dire, c'est moi qui regarde... Tu le pousses, hein, bah, tu le pousses avec quoi? Mais pas agressivement, je le pas genre j'ai envie de me battre. Je le pousse, genre je rentre et fais ta gueule. Non, il t'oppose résistance et il te repousse. Et à ce moment-là, il a peut-être ça comme avantage, c'est qu'il aura peut-être l'initiative, mais il est au corps à corps face à toi et il te braque avec l'arbalète. Son regard est sûr, son regard est vraiment, vraiment plus dangereux qu'il ne devrait l'être. Bon, est-ce qu'il y a une fenêtre? Est-ce qu'il y a une fenêtre à côté? Oui. Je vais péter une fenêtre et je vais rentrer. On va arrêter. J'aime pas les portes. Non, mais ça va, il va pas m'emmerder. Très bien. Fais-moi... Tu sautes partout par la fenêtre, y'a pas de problème. Tu sautes un peu comme... Je pète la fenêtre et je le regarde et je fais crétin et je rentre dedans. Voilà. Et bah, il te tire dessus. Il me tire dessus? Non, mais attends, j'ai juste pété la fenêtre. Je sais, mais au moment où tu rentres, il te tire dessus. D'accord, bah écoute, je suis en défensive, j'ai mon bouclier, quoi. D'accord, hop, je fais mon test. Allez, je fais mon test ouvert, alors, tu t'attendais pas à te faire tirer dessus, en plus ta portée très courte, donc je suis à 80 ou moins. Dé ouvert. 36, il te touche. Je fais 1 de 6 dégâts offensifs, 6 points de dégâts. Moi, mon armure, j'ai 5 points en tout. Bouclier okay. Plus armure, ça fait 5, c'est ça? Ou 4 ouais. Ou 5? Exactement. Ça fait 1. Okay. Bon, bah, je perds un PV. Ok. Bah, si tu veux, tu as la flèche qui vient se planter et qui traverse un peu ton armure. Et il y a juste un filet de sang, tu vois, qui coule et qui perle le long de tes vêtements, et te regarde et bah il se retourne vers d'autres arbalètes. Il fait aidez-moi. Mais j'ai pas... Genre, ça fait des heures que je passe alors que je suis en train d'organiser l'attaque et les mecs vont mettre... Ça fait 40 minutes, ça fait 3 quarts d'heure que les autres sont partis, et ça fait depuis une heure que tu les entraînes. Il se passe un truc clairement louche. Un truc qui semble on te cache quelque chose. Elle est cassée la fenêtre ou elle est pas cassée? Oui, elle est cassée, oui, bien sûr. Bon, ben voilà, ben, je vais rentrer. Les autres n'ont pas encore percuté, hein, donc le fait qu'il se passe un truc. Ou alors je peux y aller et lui foutre un grand coup dans le temps qu'il recharge son arbalète, j'ai le temps d'attaquer 4 fois. Tu peux surtout te rendre dans la maison. Ouais, bon, ben écoute, je vais aller dans la maison dans ce cas-là, et puis basta. D'accord, parce que le problème, c'est en t'engageant au corps à corps contre cet adversaire, c'est que tu vas attirer l'attention davantage. Ouais. L'attention, tu vas l'attirer quoi qu'il arrive, mais là, tu as une fenêtre de tir. Bon, donc en gros, j'ai pété la fenêtre, il m'a fait... voilà, exactement. Et tu rentres dans la maison, il n'y a plus Sir d'Elenor, il y a quelques bandages au sol, il y a du bruit vers l'extérieur, en face. Quand tu te rends, tu traverses le salon, quand tu te rends vers l'extérieur, tu vois donc à l'opposé de cette maison qu'il y a un cheval qui s'éloigne au loin, peut-être à 100, 200, 300, 500 mètres. Et tu vois, de là où tu es sûr et certain de remarquer Sir d'Elenor. Il est en train de s'enfuir. Oui. D'accord, très bien. Et bon,
cette direction qu'il emprunte semble être vraisemblablement celle de tes camarades. D'accord. Bon, bah, je vais sortir par la porte, coup-ci. Je repasse devant le mec qui est en train de recharger son arme. Non, et à ce moment-là, il a averti d'autres personnes, donc ils sont en train de se... Ils sont en train de te braquer, toi. Je te demande, quelle est ton intention? Est-ce que tu veux te lancer à ses trousses? Est-ce que tu veux te les confronter, eux? Est-ce que tu veux t'enfuir? Il y a Anguissou, j'en ai sûr et certain. Ouais, ouais, bah, de toute façon, je vais essayer. Je sors, ils sont en train de me braquer, je leur dis, bah, baissez vos armes, il est parti. Donc, Sir Delenor, il est parti, donc voilà. Il est parti. Oui. Bah, il est parti, il a pris son cheval, il est parti, qu'est-ce que je te dis, moi. D'accord. Il semble pas comprendre. Et le garde qui est ici. Où est le capitaine? J'ai appelé le capitaine. Il est là. Il est en train de donner des ordres à deux, trois personnes. Et puis, au mec qui m'a planté l'épée, qui m'a planté le carreau, je dis, toi... C'était les ordres, c'était les ordres. Première ligne, devant. C'est le premier, même tu seras devant la première ligne. Il y aura toi, la première ligne, ça sera toi, en fait. Et après, en deuxième ligne, il y aura les autres. Non, mais rien, en première ligne, allez. Du coup, au capitaine, je lui ai dit, capitaine, est-ce que vous pouvez finir l'entraînement? Je dois prendre mon cheval et aller vérifier quelque chose. D'accord. Très bien. N'attaquez pas avant mon signal. Je reviendrai avant. D'accord. Enfin, au bout. En fait, non. Si. Non. Ce que je voulais dire exactement, c'est mettez-vous en route, mais restez à 5 km de la zone. Nous allons village ennemi. Quoi qu'il arrive, devoir engager le combat avant l'aube pour éviter. Ouais. Non, mais évidemment. Mais restez à 5 km. N'attaquez pas avant l'aube. Attendez l'aube. Mais restez. Mettez-vous 5 km dans une plaine en amont et je reviendrai vous rejoindre pour l'attaque. Bon, très bien. On compte sur vous. Merci pour tous ces conseils, même si il faut reconnaître que nous ne sommes pas partis du bon pied, chevalier. Ouais. Tu prends ta monture, lumière, et tu t'engages sur les traces assez difficilement. Parce que tu remarques que la personne que tu suis a réussi à te semer à plusieurs reprises et tu as retrouvé sa trace. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'univers... Et oublie pas, lui, s'il y a une attaque, c'est lui la première ligne. Il est devant, tout seul. Il a quoi faire ? 20 mètres, 20 mètres devant les autres. Très bien. Pendant ce temps-là... Remettez les casques, c'est bon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant ce temps-là, à Veracruz. Allez, alors, qu'est-ce que vous faites ? Alors, est-ce que Théo a tué tout le monde ? Ah oui, là, j'étais en train de distribuer les XP, là, pour le nombre de... J'ai pas lu le chat, j'ai rien lu, j'étais juste en train de regarder des mods pour Fallout 4, et je me dis, qu'est-ce que Théo a fait? Et là, c'est le stress, tu vois. Là, ça se trouve dans la force, que des millions de voix se sont tués d'un coup. J'entends la voix d'une petite fille. Alors... Je sens une perturbation dans le script. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on continue à suivre le mage. Oui, on a été. Il y a un truc qui bougeait dans les buissons. C'est rien. Fais comme si ça n'était pas là et oublie. Mon démon intérieur a une érection. Fais-moi. C'est quand j'ai dit. Et quand tu dis érection, fais-moi un test mental, s'il te plaît. Quoi, moi? Oui. Pourquoi encore? Fais un test d'érection, s'il te plaît. Encore? Fais-moi. J'en ai déjà fait un tout à l'heure. Bon, mon micro était coupé. Mon micro était coupé, donc je dis des choses dans le vent depuis tout à l'heure. Ah, tout est ce que ça dit. Scénario, il avançait. Tu nous insultais depuis tout à l'heure, en fait. C'est ça. J'ai fait 51, mais qu'est-ce que tu voulais dire? Non, en plus, j'ai l'impression que vous me répondiez et tout, c'était génial. Non, mais c'est vrai. Je me sens pas écouté. Et je disais, oui, je pense qu'il faut le prévenir parce que soit il est déjà au courant et dans ces cas-là, ça changera rien, soit c'est peut-être une attaque contre lui ou contre nous et l'avoir dans notre camp, c'est plus intéressant. Au moment où j'ai dit « je crois que mon démon intérieur fait une grosse érec », là j'ai fait un 51. Ouais. Tu sens une voix dans ta tête. Oh, Philippe ?
Mais qu'est-ce qui a caressé le scrotum de ton démon Oui, parce que je vais être sincère, le démon intérieur, je l'ai appelé Philippe. C'est pas du tout son nom. Son nom est imprononçable. Beaucoup trop de syllabes et d'apostrophes. Mais chaque fois qu'il te répond, ta gueule. Non, mais voilà quoi. C'est 58 lettres, imprononçables, 3 espaces, 2 apostrophes et des umlauts de partout. C'est un nom de démon, c'est de la merde. Philippe. Philippe, Philippe, c'est que t'es là. C'est cadeau. Non, moi je pense qu'il faut le prévenir. Je pense qu'il faut le prévenir. Attends, qu'est-ce qu'il dit dans ma tête? S'il te plaît, viens me parler. Laisse-les avancer. Viens, on doit parler un peu. On doit remettre les choses à plat et essayer de essayer d'avancer. C'est laisse-les. Ou à la rigueur, viens avec tes amis, mais laisse le mage. Rejoins-moi. Prête-moi quelques minutes, s'il te plaît. Je t'écoute. Viens. Ah non, 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 par contre, je vais rester avec mes potes. Et je ne vais pas te rejoindre dans les buissons. Hein. Tu sais, Philippe, on en a déjà discuté. Certes, je muile beaucoup le corse, mais c'est pour rendre ma peau plus douce. Ce n'est pas parce que tu m'intéresses. Arrête avec tes avances. Je t'aime. C'est tellement ça. Mais oui, oui, c'est ça. Allez, bisous. Non, toi, tu raccroches. Non, toi, tu raccroches. Non, c'est toi. Attends, j'ai une vraie question, par contre. Il me dit d'aller le rejoindre. Mais où? Genre dans les fourrés? Exactement. C'est lui qu'on sent. Il est avec moi derrière les fourrés. Derrière les fourrés. T'es balèze. Les amis, apparemment, c'est lui dans les fourrés. Il me demande de le rejoindre. Il est revenu. Comment ça va? À ce moment-là, donc, il y a le mage... Ah non, c'est ton père encore, putain. Il y a quelques... il fait quelques pas, il avance de bien 30, 40, 50 mètres. Il se met à hurler en se tenant la tête. Il se tourne vers là où vous aviez remarqué du mouvement dans les fourrés et il tombe à genoux. Et il s'écroule. Est-ce qu'il est en vie? Un doliprane? Évidemment qu'il est en vie. Alors, et la voix vient des buissons et dit « Mais je vous avais dit de venir !» Et toi, je t'avais dit de ne pas toucher à mes amis ou aux gens qui étaient sous ma protection. Et j'ai rien contre tes amis. Moi, par contre, je vais continuer à l'appeler lui. Hein. C'est comme dans les Super Nanas, tu sais. Et sort des buissons Sir Delenor. Wait, what? T'es pas celui auquel je m'attendais. Est-ce que je peux tenter... Est-ce que je peux tenter un jet de perception mentale pour voir si c'est pas Enoch? Il, il doit être métamorphe, oui. Oui, tu marques un point, mais... Non, non, rien à voir avec ton père. D'accord, on voit bien. Cet homme... Toute ta famille est Bob, c'est ça. Ça, ça, je suis le plus faible, en fait. Cet homme sourit. Ses dents deviennent légèrement pointues. Ses mâchoires deviennent plus osseuses. Ses yeux, au fond de ses yeux, apparaissent une petite lueur rouge. Et il dit, franchement, les amis, c'est un délice de vous voir à l'œuvre. Je pense qu'il faudrait qu'on travaille beaucoup plus souvent ensemble. Qu'est-ce que tu nous as fait Wait, faire what? Tu connais, Bob? Déjà, nous savions qui vous êtes. Théo, réellement. Tu réussis à retrouver la trace de cet homme qui a fait des tours et des détours, et tu arrives par là. D'accord, je vais mettre ton token. Alors, Théo a été très rapide ou on a été super lent, je sais pas, mais... Bah, il est cheval, il est avec un destrier, il va super vite. Si vous le permettez, par contre, j'appelle mon avocat parce qu'il me semblait que les demi-démons, c'était censé être quelque chose de très très rare, donc... Oui, alors j'appelle mon agent. J'écoute. Oui, ta gueule, c'est magique. Bisous. Ah, problème avec le script. Il reste 3 Saiyens en 6. Végéta, un frère, 7. Nous sommes à 7 Saiyens. Thalès. 8 Saiyens. Il y a le super Saiyen légendaire aussi. Est-ce qu'on me dit 9? Je vois un 10 dans la salle. Je veux pas mon token, par contre. Ah, ça y est. Hop. T'es sous le cheval. T'es sous le cheval. Ah, moi je m'en vois pas du tout. Fais venir, je te fais venir.
Après, c'est rare, mais vous n'êtes peut-être pas deux dans le monde non plus, il ne faut peut-être pas exagérer. Et peut-être que la maison s'attire elle-même, et peut-être que voilà. Donc, ah oui, ce serait convaincant ça pour le scénario. Bien sûr. Je te fais venir, je te récupère sur la map précédente parce qu'il semble. Un jour, on arrivera à faire une map avec des humains, que des humains. Genre, il n'y a pas de mage, pas de mecs spéciaux, pas de pouvoir flotter. C'est juste des bandits, tu vois, genre des humains. Mais faut pas être aventurier pour si vous voulez vivre des histoires communes. En fait, j'étais devenu aventurier pour vivre des aventures. Mais genre dans un donjon, tu butes des gobelins et tout. Non ? T'as des loots. Non, les. Voilà. De l'XP, voilà. Des level up. C'est dans ça. Un jeu donc vidéo. Tu vas arriver dans deux tours, Théo, quasiment. Ah ouais. Et après une course folle, tu es tout transpireux, tu as failli perdre sa trace plusieurs fois. Et moi qui transpire, c'est le cheval. Bah parce que toi, tu es comme ça, toi, sur le cheval. Ouais, mais c'est pas moi qui cours, non. Il est jonglé comme ça avec des trucs. Lumière. Je vais estimer les déodorants de l'église de la lumière. Ah, ils sont super existent aussi, les chevaux. L'église de la lumière. The fragrance. Pardon. Il sourit, il dit, franchement, on fait un travail formidable. Ça va être la guerre, ça va être génial. Il faut qu'on retravaille ensemble. Qu'est-ce qu'il veut dire, Bob ? Explique-nous. C'est clairement un démon ou un demi-démon qui s'est laissé trop aller dans son côté élémentaire, au même principe que les demi-élémentaires d'eau en face de nous. Sauf que celui-là a un objectif très précis. Il se nourrit de la guerre. Ouais. Mais... Donc il veut que le conflit éclate. Ouais, bah oui. Est-ce que... Donc c'est notre devoir de l'en empêcher. Je vais tenter de détourner son attention. Moi aussi, je veux que le conflit éclate. Un demi-démon aussi. Ah putain, il y en a combien dans ce monde ? Je vais tenter de détourner son attention. Est-ce que l'un d'entre vous deux peut aller voir l'état du mage de flotte ? Oui, moi, c'est ce que je voulais mettre en écran, d'être sûr qu'il aille pas l'achever ou je ne sais quoi. Est-ce que je vais commencer à lui parler en fourche langue, histoire qu'il comprenne pas Je vais commencer à faire des pas de côté sur la gauche, moi, pour le coup. D'accord. Vous me dites exactement ce que vous faites. Moi, je vais me déplacer vers le... Ouais, je vais voir le... Je me mets en écran. Je vais m'adresser à lui pour attirer son attention. Depuis combien de temps tu planifies ça ? Qu'est-ce que tu tires de cette guerre ? Oh, on se calme, mage. Je fais ce pour quoi on est fait, demi-diable. C'est essayer de remettre un peu d'énergie et de vie dans ce monde un peu trop lisse. Oh, ce sera cette ville, puis ça sera une prochaine. Et puis, j'aimerais vraiment rentrer dans la guilde des intendants, histoire aussi de foutre le bordel à l'intérieur, ça sera génial. Ne touche pas la saison 2. Mais ça donnera tellement de vie dans ce monde d'une tristesse. Tu parles de répandre la vie, mais tu ne fais que semer la mort. Qu'est-ce que tu cherches au juste ? Eh, mais je te sens presque vexé, mage. Mais on fait un travail formidable, sérieusement ! Regarde, tout à l'heure, il y a le nain qui a bondi, qui a tapé au sol, j'ai jamais vu ça. Ça a mobilisé plein de monde, ils avaient les yeux jusqu'en bas devant ce déferlement de puissance. Et le demi-élémentaire, tout choqué en voyant le... Oui, regardez ! Mais tu peux franchement, maître nain, tu peux vraiment te féliciter. Ton boulot, tu le fais vraiment super bien. De ton côté, Shin ! Merci. Tu... Shin, Judas. Bon, je comprends pas trop le fait que tu défendes pas tes frères demi-élémentaires, mais tu devrais un peu encourager tes frères demi-élémentaires à leur rentrer dans le tas. C'est mortel, ces pauvres mortels qui ne vivent qu'une seule vie et ils vivent, ils meurent sans vraiment jamais se rendre compte de ce qu'il y a autour d'eux. Ils consomment leurs existences avec des plaisirs puérils. Regardez ce qu'on peut faire, nous. Regardez non seulement le pouvoir qui est le nôtre, mais regardez, le monde est à nous. On fait une super équipe ensemble. Mais et pourquoi vous n'êtes pas resté dans votre putain de lit? On aurait attaqué et tout serait passé. Vous êtes complètement nul comme demi-démon, quoi. Ah, t'arrives à ce moment-là. Vous seriez resté dans votre putain de chambre, on aurait attaqué tous ensemble et ça serait bien passé. Au lieu de là, vous êtes là, je révèle l'histoire et je révèle. C'est un twist à la Frozen, ça, attention. Non, je préviens juste un truc. Ce qui va se passer quand vous allez. Ah oui, mais du coup, tu apparais, Théo. C'est ça ? Oui, bah oui. En criant.
Retournez dans votre lit. En train de galérer sur le cheval, c'est... Hé, ne plus. Vos soins ne sont pas terminés. Vous êtes en train de gâcher ma guerre. Ce sang était à moi depuis le début. Ça, copieur, c'est ma solution finale. Selon le flux de demi-démonte. Non, je vous préviens, amis aventuriers, n'y allez pas vous-même, vous allez mourir. Sérieusement, ça me ferait chier que vous mouriez. Enfin, vous aussi, ça vous ferait chier, j'imagine. Mais sérieusement, n'y allez pas. Ils vont ouvrir les dents du ciel. Ils vont balayer la région. On fait un travail formidable ensemble. N'y allez pas. Envoyez l'armée. Faites ça. Il y a encore une chance que les pourparlers mènent à bien une paix. Bah non. Oh là là, la paix, tout ça. Pff, franchement, c'est surfait. Oh. Oh. J'attendais une réaction de Théo, moi, derrière, à la paix, c'est sûr. Oui, mais... Débile, mais non, on va être obligé. Ah non, arrêtez, la paix, vite, parce que la guerre, c'est mal. Non, moi, je suis con, lui coûterait sa gueule. Avec moi, Théo. Attends, c'est vrai qu'avec des attitudes comme ça... Vous rendez compte, vous me devez la vie. Là, je vous sauve la vie, les mecs, sérieux. On te doit la vie. Moi, je me souviens que le dernier ordre que t'as donné avant de sombrer dans la conscience, c'était tuer les tous. Ah, ça va, je lèverai l'ordre, enfin, si elle est survivante. Bon, du coup, laissez-moi deviner, ça veut dire qu'en fait, les élémentaires d'eau, ils sont gentils et que du coup, on doit arrêter... Mais non, les élémentaires d'eau, c'est des connards aussi, il faut juste qu'ils meurent, c'est tout. Bah écoute, tu veux la guerre, tu vas l'avoir, ta putain de guerre. Mais ça sera pour tes petites fesses, d'accord ? Ce qui est hors de question que je laisse des congénères ou des amis humains, ils laissaient leurs pommes à cause de toi. On a encore du temps pour... Donc c'est parti, on est 4 contre 1. Oui, on a le temps de faire les négociations. On a encore du temps pour arriver jusqu'aux négociations. On a le temps de te botter le fion, aller régler ça, et voilà. Mais si vous attaquez à moi, les amis, vous allez perdre trop de temps. C'est une sous-estimée que dire ça. Pas si nous avons notre mage de l'élémentaire. On a quelqu'un qui est fort en négociation et qui est à cheval. Théo, par devant. Déclare la paix. Avec l'épée comme sois poli, par pitié, sois poli. Mène les négociations à bien. C'est des vacances. Non mais c'était censé être des vacances. Il sait pas où on doit aller, donc. Ouais, c'était le mage qui devait nous guider en plus. C'est le mage qui nous emmène. Oui. À mon humble avis, s'il charge dans la direction générale, les autres le trouveront. C'est quand même leur territoire. Et la direction il faut s'occuper de lui. C'est le seul qui voulait pas qu'il vienne. Oui, mais c'est le seul qui a cheval. Défonçons le demi-diable. Pas toi, Bob. Essayons de voir si on peut pas réveiller l'autre mage aussi. Hein. Peut-être pas que l'autre mage, il est... Depuis le début, on n'arrête pas de parler de défoncer des élémentaires. Donc oui, j'en ai tué deux moi-même, tu vois, donc je me sens merdique. Au fond de moi, je suis dévasté. Il n'y a plus qu'à ce que je... On peut le faire, on est quatre, on va le défroyer. C'est pour ça. On aura amplement le temps. Je me donne 20 minutes. Ouais, il faut que je fasse quoi, moi? Tu nous aides à le buter. Ah bon, ben voilà. It's kill time! Ouais, réveille-toi, normalement. Je peux potentiellement tuer quelqu'un, ça devrait te rendre heureux. Ouais, non, mais moi, il me faut des mots simples qu'il faut utiliser. Des instructions. Attaquer Sir Delenor. Voilà, c'est ça. Très bien. Si méchant est dans champ de vision Fred, alors oui, Fred. En cours des massacres! Voilà, Sir Delenor, démon, en vrai. Là, voilà, je fais Sir Delenor manipuler tout le monde. Clic droit, regarde, j'ai fait clic droit. Mais j'étais même pas manipulé. Mais moi, je l'aurais fait gentiment, comme ça. Il n'y a pas besoin de me manipuler, de faire des plots de fou. Moi, tu oui, me mais dis, attends, il y a une différence. Il se passe quelque chose pendant ce temps-là, il se passe quelque chose que les viewers vont décider. Il y a une différence entre faire quelque chose de sa propre volonté et être manipulé pour le faire, même si c'est la bonne chose à faire. Fais-moi ta érudition, s'il te plaît. Bob. Ou tous les autres, si vous avez réédition plus mental. Allez-y, essayons. 74, ça passe. J'ai 75 par défaut et j'ai 15 érudition en plus. 75, ça passe. Les autres ? Là. Ah, on peut faire mental ? Oui, on a pas spécialement. Exactement. D'accord, okay. Juste mental. Enfin, j'ai fait 74, mais j'ai 75 de base, donc sans érudition. 54. 9 pour Grunlec. J'ai joué. 69. 69 pour Chine. Heureusement que c'était 69, hein. Ça aurait été 96. Donc il y a Chine qui pense à Shaidan, donc on est bien là. C'est ça, ouais. Avec les bandages et tout. Vas-y avec le plâtre. Qui a réussi? Ah, il faut lancer la pub d'ailleurs. Oui. Allez-y.
Et tout le monde a réussi, je pense. Hein. D'accord. En pub maintenant. Juste deux secondes, je vais donner le résultat de cette action réussie. Ceux qui ont réussi le test, vous savez qu'un mage de cette puissance, qui est notamment qui est régulièrement envoyé comme messager, est lui-même connecté mentalement pour faire le parallèle avec toi, Bob, avec son seigneur et maître, qui probablement a perdu la connexion avec son mage. Oui, il l'a perdu avec son mage, mais il l'a perdu en pleine forêt sur le trajet du lieu de négociation. Donc si l'autre est pas trop con, il s'est dit qu'il s'est passé un truc bizarre, parce que sinon il aurait dû le perdre au village. Et là au village, il l'a perdu. Attaquer, quoi. C'est-à-dire que la pub.